الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا البارحة الحديث الذي رواه مسلم والبيهقي عن أبي الأسود الدؤلي أن الصحابي الجليل عمران بن الحصين سأله أن الذي ما يفعله الناس اليوم هو شيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو أنه شيء ليس بقضاء الله وقدره، إنما يفعلون بمقتضى ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم. فقال أبو الأسود الدؤلي إنه شيء قضي عليهم ومضى عليهم. Alors hier, on a cité le hadith rapporté par Muslim al-Bayhaqi que Imran al-Hussein a posé la question à al-Tabi'i Abu al-Aswad al-Du'ali. Vois-tu ce que les gens font aujourd'hui, ce qu'ils, leur acte, leur travail, c'est une chose prédestinée par la prédestination de Dieu ou c'est une chose qu'ils font de leur propre initiative sans qu'ils soient prédestinés? Et Abu al-Aswad avait beaucoup de science et de connaissances et il a dit non, tout est prédestiné par Dieu. Maintenant, on va lire le commentaire un peu de ce hadith en détail. هذا الحديث رواه البيهقي في كتاب القدر. Tout d'abord, ce hadith encore, ça a été rapporté dans le livre de Al-Bayhaqi qui s'appelait Al-Qadr. Et voilà, ce livre, on l'a dans la bibliothèque. من حديث يحيى بن يعمر. يعني la cité de par une chaîne qui arrive de يحيى بن يعمر وهو من التابعين أول من نقط المصحف. يحيى بن يعمر c'est le premier qui a mis les ponctuations, les signes dans le Coran, parce que la langue arabe avant il n'y avait pas de signes, il n'y avait pas des points, il n'y avait pas fatha, dhamma, kada. C'est le premier qui a commencé à faire pour faciliter aux gens la lecture. فإذا رواه عن من طريق يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي الذي هو معروف بأنه من ثقات التابعين أخذ الحديث عن سيدنا علي وغيره. أبو الأسود الدؤلي c'est un grand parmi les تابعين les élèves de الصحابة. Il a appris le hadith chez سيدنا علي et d'autres. وكان هو أول واضع للنحو بإشارة سيدنا علي رضي الله عنه. Encore c'est lui qui a écrit la grammaire, qui a commencé à écrire dans la grammaire arabe suite à l'orientation de Sayyidina Ali ibn Abi Talib. فإذن هذا الحديث أيضا مروي قلنا عن عمران الحسين الذي هو أحد فقهاء الصحابة المجتهدين المشهورين بالعلم حتى قيل إنه لم يدخل البصرة أفقه منه. أي أن كل من دخل البصرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمران أفقهم. عمران الحسين كان grand savant كانت تزوره الملائكة. C'est les anges qui le rendaient visite à عمران الحسين. était un grand imam, un grand mujtahid. Lorsqu'il est entré dans la ville de Basra en Irak, on a dit il n'y a pas un plus de science que عمران qui est rentré. يعني les autres sahaba qui sont rentrés à Basra, ils n'étaient pas comme lui. وهو من أولياء الصحابة لكن كانت تزور الملائكة فمرة تداوى الكي من أجل البواسير فانقطع الملائكة عنه والتداوى بالكي مكروه لم يكن يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بعد زمان رجعوا إلى زيارته. Les anges le rendaient visite. Une fois il s'est soigné avec le feu et le fait de faire le soin avec le feu, c'est quelque chose qui est déconseillé. Mais lui, peut-être, il n'avait pas d'autre chose à faire. Il avait le bawasir en français, vous connaissez. Et puis, après un certain moment, les anges sont revenus pour le rendre visite. وقوله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أي يعني عمران يسأل أرأيت ما يسعى به الناس اليوم أعمالهم حركاتهم سكناتهم أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق منه وهل هو شيء قدره الله تعالى أنه سيحصل منهم أي باختيارهم ومشيئتهم الحادثة لكن تحت مشيئة الله.
Alors, il lui a dit, vois-tu ce que les gens font aujourd'hui, leur acte, leur mouvement, leur immobilité, c'est une chose qui est prédestinée par la prédestination de Dieu qui n'a pas de début. Ça veut dire que l'être humain, il a un choix sous la volonté de Dieu et que la volonté de Dieu domine. وقوله أو فيما يستقبلون به أمعناه أم هو شيء جديد لم يسبق به قدر الله تعالى ولم يسبق في علم الله هو سؤال أما عمران sait bien que tout est prédestiné Allah sait tout mais il a voulu tester la science de Abu al-Aswad al-Du'ali il lui a dit cette question est-ce que c'est une chose prédestinée avant ou c'est une chose non qui aura lieu sans être prédestinée par Dieu Azza wa Jal et qui n'est pas concerné par sa science puisque ça concerne le futur. فقال هو أجابه الأسود قال كل شيء قضي عليه مضى عليه. أبو الأسود a bien répondu. Il a dit c'est une chose prédestinée. Tout est prédestiné par Dieu. La prédestination de Dieu n'a pas de début. Il a bien répondu. ومعنى قوله مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم أيضا هذا معناه أي أريد منك نصا أعطني على هذا نصا شرعيا encore dans le sens de ce que le prophète leur a dit et c'est bien confirmé la preuve contre eux c'est-à-dire donne-moi un argument sur cela ومعنى قوله بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم يعني أن حركات وأعمال العباد كلها تحصل بقضاء الله تعالى Abu al-Aswad a dit, tout est prédestiné par Dieu, leurs actes, leurs mouvements, leur immobilité, les choses qui passent par le cœur, les choses qui viennent à l'esprit, tout est prédestiné par Dieu et créé par Dieu. Et malgré que nous, on a un choix, on n'a pas dit que nous, on est comme une plume dans l'air, on a le choix, mais sous la volonté de Dieu. وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Vous ne réalisez votre volonté que si Allah a voulu, mais on a un choix. On est venu à la mosquée pour prier avec un choix. On n'est pas venu malgré nous. C'était pas prévu, nous, d'aller à Vidi, puis les pieds, ils ont ramené ici malgré nous. Non, on a décidé de venir. C'est pour cela qu'on dit, on a un choix. L'acquisition, l'acquisition qui est sous la volonté de Dieu, Azza wa Jalla. هلا لما قال له أبو الأسود الدؤلي فلا يكون ظلما أبو الأسود الدؤلي a dit n'est-il ne sera pas-t-il une injustice هلا بتعرفوا ربنا إيش يستحيل في حقه الظلم لأنه يتصرف في ملكه يفعل في ملكه ما يشاء وقلنا هذا سؤال امتحان لأبو الأسود الدؤلي c'est une question d'examiner la connaissance et l'intelligence alors il lui a dit ne sera pas-t-il une injustice والمعنى إن كان الإنسان يعمل فيما قدر الله تعالى يعمل على حسب مشيئته وعلمه ثم حسبه في الآخر على هذا هذا هل يكون ظلما؟ si la personne agit selon la volonté de Dieu et ses actes sont créés par Dieu et sont passés par la science de Dieu et le jour du jugement cette personne il vient et il a fait par exemple les péchés ou certains ils ont fait la mécréance ils vont être châtiés ils vont être punis Et est-ce que le fait qu'Allah a prédestiné de ses actes de la mécréance et de la désobéissance et il les châtiera, est-ce qu'il sera une injustice? Abu al-Aswad al-Du'ali, il a dit, j'avais très peur, très effrayé de cette question. J'ai dit, toute chose appartient à lui et toute chose est créée par lui. On ne questionne pas Dieu pourquoi tu as fait, c'est lui qui nous questionne. Ça veut dire que, bien sûr, ce n'est pas une injustice. Ce n'est pas une injustice parce que toute chose appartient à Dieu. Et Allah Ta'ala fait ce qu'il veut. Et on a cité dans le hadith avant que si Allah a châtié les habitants du ciel, c'est-à-dire les anges, les habitants de la terre, même s'il y a les prophètes et les saints et les pieux, il les châtiera sans être injuste parce que tout est à lui, Azza wa Jal. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a promis pour les bienfaisants la bienfaisance, le paradis. نحن نقول لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعذبهم وهو غير ظالم لهم. لأن كل شيء خلقه ملك يدي. ولكن الله وعد المتقين بالجنة والله لا يخلف الميعاد. Allah a promis
aux croyants, Allah a promis aux musulmans le paradis, et Allah Ta'ala ne ment pas, et il fait ce qu'il a promis, et il fait ce qu'il a promis. قال تعالى وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى هي الجنة وزيادة رؤية الله بلا كيف ولا مكان ولا تشبيه. Pour les bienfaisants auront la bienfaisance et plus. Les bienfaisants, c'est les croyants, c'est les pieux. La bienfaisance, c'est le paradis. Et plus, c'est le fait de voir Dieu sans comment, sans place, sans direction. C'est-à-dire, il ne faut pas imaginer que les gens du paradis voient Dieu en face, dans un endroit, avec une distance. Non, Allah n'est pas un corps, n'a pas d'image ou d'aspect, il n'est pas dans une place ou dans une direction. Mais il faut croire que les gens du paradis le voient sans comment, sans ressemblance aux créatures. Tu confirmes et toute idée qui vient à l'esprit, tu dis Allah n'est pas comme ça, Allah ne ressemble pas à ça. Il faut avoir cette règle dans le tawhid, dans la bonne croyance, que Dieu ne ressemble pas à ses créatures. Il est éternel sans début. L'éternel sans début ne ressemble pas aux créatures qui ont un début. Al-azali, al-mawjoud, qabla kulli shay, la yushbihu shay min al-makhlouqat. الأزلي الإله ولا إله غيره لا يشبه شيئا من المخلوقات وكم مرة قلنا نحن واحد يقول لك أنت تقول الله موجود وكذا ما الدليل les athées, beaucoup de jeunes sont des athées aujourd'hui en Europe. L'athéisme, il est comme un de son ami, l'athéisme. Ils disent, oui, qui t'a dit que Dieu existe, l'éternel qui n'existe? Même certains disent, qui a créé Dieu? Il y a des gens qui utilisent des termes. Alors on leur dit, le monde existe, il est là, n'est-ce pas? Nous existons. Les poissons, les oiseaux, les fruits, les légumes, les fleurs, tout ça, le soleil, la lune, les étoiles, le vent. Si ça existe, ça prouve qu'il y a un créateur, parce que ce n'est pas valable qu'un acte aura lieu sans acteur. C'est pas valable d'avoir une écriture sans quelqu'un qui a écrit. C'est pas valable. Même un petit enfant de 3 ans, si tu fais un geste comme ça sur la nuque, tu lui dis personne. Il se moque de toi. Il rit, il dit non, ça va pas. Ça, oh là là. Mais un petit enfant, si tu fais un geste et tu lui dis personne. Mais c'est étonnant, ces athées, il y en a des docteurs et ils disent c'est rien. Comment ça? L'âne, tu fais entendre le bruit du bâton, le adib romain, branche de grenadine, il donne un bruit. Et il sait qu'il y a un bâton et il avance, il bouge. Alors le bruit du bâton, ça veut dire qu'il y a un bâton. Le monde entier, s'il est là, ça prouve qu'il y a un créateur. يعني, بس هذا من باب أنه المسلمون دوما حجتهم قوية واستدلالهم العقلي. العقل شاهد على ما في هذا القرآن وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وشاهد على صحة دين الإسلام. La raison témoigne de la véracité de l'islam et que le Coran est la parole de Dieu et ce que l'a amené Sayyidina Muhammad est juste. La raison témoigne et c'est ça la force de l'islam. Bref. Alors lui, qu'est-ce qu'il a répondu à Abu al-Aswad? C'est-à-dire Allah a créé toute chose, à lui appartient toute chose. S'il châtie, il n'est pas injuste. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes. Yani, Allah arsala al-anbiya, mubashirina wa munzirin. Allah ta'ala a envoyé les prophètes pour annoncer la bonne nouvelle et le châtiment. La bonne nouvelle pour les croyants, c'est le paradis. Et le châtiment, c'est l'enfer pour les mécréants. Les prophètes, ils ont transmis. Les prophètes, ils ont amené des miracles. Et les prophètes, ils ont amené des miracles qui prouvent qu'ils sont véridiques. Même si tu ne les as pas vus, mais la nouvelle des prophètes nous est arrivée par un grand nombre. Napoléon Bonaparte, qui a vu Napoléon Bonaparte parmi vous? Mahada. Bashou, qu'est-ce que Napoléon ou la mafie? Si.
Non, on ne l'a pas vu, mais il y avait. Mais comment on a su? Parce que c'est un grand nombre qui a rapporté. Donc, avant Napoléon Bonaparte, Salah ad-Din al-Ayoubi. موجود صلاح الدين الأيوبي كان موجود إيه كان موجود اللي يبي أنا كي سأل صلاح الدين الأيوبي عمو أسد الدين شيركو أخذ مصر oui mais on l'a pas vu oui on l'a pas vu mais il y a des générations un grand nombre qui a rapporté et si je demande c'est quoi le nom de ta mère vous me dites elle et ton père voilà comment tu as su que c'est ta mère et ton père c'est les gens qui ont dit eux ils ont dit et les gens ont confirmé. Tu vois, mais toi, tu n'es pas inexistant pour dire « j'ai vu ». Comment tu as vu? Alors pour dire, les prophètes, ils ont fait des miracles et ça nous a été transmis. « Mu'jizat l'anbiya wa salatna bit tawatur » Un grand nombre a dit que l'eau a jailli des mains du prophète. « Anna l'ma naba' an asabi' an-nabi » وأن القمر انشق لإشارته وكذا وكذا كثير من المعجزات beaucoup des miracles ont été transmis pour prouver que les prophètes sont véridiques et les prophètes ils ont dit il y a le paradis il y a l'enfer obéissez et croyez فالأنبياء قالوا آمنوا بالله وأطيعوا الله تكون لكم الجنة وإن كفرتم فلا تلومون إلا أنفسكم ولكم النار بعد هذا الإنسان إذا après ça, il a dit oui, j'ai entendu Jésus, mais je ne veux pas suivre, je veux vivre la vie. Tu vas vivre combien? 30, 40, 50 ans? Après les études universitaires. Tu vas vivre 50 ans et ça, il vaut combien pour le jour dernier? Jour dernier, c'est 50 000 années. C'est le jour de jugement. Yom al-Hisab, 50 000 années. 50 000 années. Ou ba'den, imma al-khulud fil janna ou imma al-khulud fil nar. Après, soit éternellement dans le paradis, soit éternellement dans l'enfer. Yani, le bas monde, la durée, c'est comme une goutte d'eau par rapport à l'océan. Alors, c'est quelqu'un qui a soif, il dit, j'ai soif, je veux prendre ce goutte d'eau parce que j'ai très soif. Et il ne va rien faire pour toi. Regarde l'océan, c'est l'eau douce, tout ça. Ah non, je vais profiter maintenant. C'est toi qui as choisi. Alors, il faut qu'on choisisse le bonheur éternel, pas quelques secondes dans le bas éphémère, dans le bas monde éphémère. À la colline, Allah subhanahu wa ta'ala, qui prédestine pour toutes les créatures, n'est pas injuste envers les créatures. C'est certains qui sont injustes envers eux-mêmes. Humma ba'dul ibad zalimuna li anfusihim. Lesh taraku at-ta'a wa ikhtaru al-ma'siyah. Parce qu'ils ont délaissé l'obéissance et ils ont choisi la désobéissance. Ils n'ont pas voulu croire en Dieu et son prophète, ils ont voulu mécroire. C'est eux qui sont injustes envers eux-mêmes. Faizan Abu al-Asad al-Du'ali a bien répondu. Tout appartient à Dieu, il est le créateur de toutes choses. On ne questionne pas Dieu pourquoi tu as fait, c'est lui qui nous, c'est Allah qui nous questionne. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعني ايش يهدي من يشاء ويضل من يشاء. C'est Allah qui guide qui il veut, c'est Allah qui égare qui il veut. Et toujours on a un choix. Toujours on a un choix. Tu vois la personne. Il choisit de boire le thé et le café, l'autre il choisit l'alcool. Mais celui-là il a choisi la désobéissance, celui-là il a choisi quelque chose du bien, boire du thé ou du café. Mais tous les actes là, tous deux, c'est prédestiné par Dieu. الآية الأخرى وما تشاءون إلا أن يشاء الله يعني لكم مشيئة لكم مشيئة وما تشاءون شو يعني وما تشاءون أنتم لكم مشيئة إلا أن يشاء الله هذه الآية تدل على أن الإنسان له اختيار تحت مشيئة الله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت أيضا هذه الآية دليل على أن لنا إيش اختيار وكسب تحت مشيئة الله أما قوله تعالى يهدي من يشاء أي الله ما بتمشي للعبد لا أي الله ويضل من يشاء أي الله لكن العبد
له دوما ايش اختيار بدليل الايات الاخرى بدليل الايات الاخرى له دوما اختيار تحت مشيئتي. فاذا اذا حاسب الله العصاة وعاقبهم لا يكون ظالما. ليش؟ لان كما قلنا الله اعطانا عقل ارسل الانبياء بين لنا واعطانا اختيارا. Alors si Allah châtie les mécréants, les désobéissants, il ne sera pas injuste parce que Allah nous a donné la raison, Allah a envoyé les prophètes, Allah Ta'ala nous a donné une capacité de choisir, c'est-à-dire on a le choix, on a le choix. Maintenant, si on dit mes actes sont créés par Dieu, prédestinés par Dieu, oui, mais avec un choix de ma part, ce n'est pas malgré moi. Je vous ai donné toujours l'exemple que... Voilà, si ça fait une semaine qu'on n'a pas mangé, on a très faim. Et voilà, ils nous ont ramené un couscous. Vous connaissez c'est quoi le couscous? C'est un bon repas. Un couscous marocain royal, plein de viande. Et après, ils disent, il y a du poison qui tue dans quelques minutes. Ce n'est pas un poison de 3 jours ou 1 mois. C'est, tu n'arriveras pas au chuve. Mais ça fait une semaine qu'on n'a pas mangé, nous les deux. Et ils nous ont mis un couscous magnifique. Mais il y a du poison. Est-ce qu'on mange? Est-ce que tu manges? Et moi aussi, je ne mange pas. Je dis, j'attends un jour encore. Je ne vais pas mourir tout de suite. Ah, mais pourquoi tu n'as pas mangé? Parce que tu dis, c'est, je ne vais pas mourir. Ça va me rappeler. Alors, et l'autre personne, pourquoi il a choisi l'alcool et les péchés ou la migraine? Et ça amène à l'enfer. C'est la chose. Comme on n'a pas mangé le couscous parce qu'il y a du poison, on a le choix et on a réfléchi que c'est nuisible, c'est dangereux pour la santé. Alors pourquoi tu as choisi les péchés qui ramènent à l'enfer? Tu as le choix. Pourquoi tu, au lieu d'aller faire la fornication, pourquoi tu ne t'es pas marié? Au lieu de voler, pourquoi tu n'as pas été travailler? Au lieu de manger la viande non halal, pourquoi tu n'as pas mangé la viande halal? Tu as le choix. Tu as l'acquisition. Alors, si Allah châtie le mécréant et les désobéissants, alors il est juste. Mais c'est l'être humain qui a fait l'injustice envers lui-même. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Alors, Imran a dit à Abu al-Aswad, après qu'il a bien répondu, Yarhamukallah, inni lam urid bima sa'altuka illa li ahzira aqlaka. Il a dit, j'ai déposé cette question pour tester ta science, ton intelligence. Arattu intihanaka, fa Allah ta'ala waffaqaka wa saddadaka lil qawli s-sahih. Walhamdulillahi rabbil alamin.